Salut YouTube, épisode 15 de Bloodborne. On avait poutré la première partie du donjon du labyrinthe Toumérien. On a obtenu un badge de chasseur, on va voir ce qu'il nous file tout de suite. On avait trouvé un PNJ aussi dans la jolie Pogéenne. Du coup. Où est-ce qu'on va? Attends, relis ce qu'il fait. Je change peut-être de source en jour, ce serait pas mal ça aussi, ouais. Clé du portail de la place de la Grande Cathédrale. Emblème en tissu ayant jadis appartenu au capitaine des chasseurs de l'église. Ouvre la porte principale menant à la place ronde de la Grande Cathédrale. La porte principale est verrouillée à double tour. Les nuits de chasse, elle peut être ouverte de l'autre côté qu'avec cet emblème. En d'autres termes, la fin de la chasse était soumise au retour du capitaine avec l'emblème. Et où qu'il est le capitaine? Il est décédé? Ah ouais, le vieux Yharnam, on pourrait aller faire les deux chasseurs aussi au vieux Yharnam. Pourrait, hein. Si on en a ras le cul de tryhard parle, on fera ça. On va essayer de se mettre aussi le joyau de teinte sanglante de feu. Sur la hache. Voir si ça t'a parle un peu plus fort. Ok, procédons. Non, pas par là. Si, si, c'est par là. Attends. What? Je vais où, là? On n'a jamais vu ça? Au secours. Ah bon. Va se calmer lui. Est-ce qu'on était juste aveugle ou c'est le badge qui nous a libéré ça? Communion. Que c'est? Communion, rune de communion accroît niveau max de fiole sanglante. Et comment on les équipe ça? Symbole secret laissé par Caril, forgeur de runes de Birgensworth. Plusieurs runes sont liées au mot sang, dont communion qui accroît le nombre maximal de fioles du sang pouvant être reporté. Cette rune représente l'église du remède et ses prêtres. La thérapie du sang correspond bien évidemment à cette communion. Bah d'accord. Au secours. Vous êtes sympa, mais vous prenez beaucoup de coups pour crever, hein. Bravo. Ah, vous me faites chier. Ah, yo. Ah, mais non. Ah mais... Bah tant pis, hein. Bah je sais que t'es là, il va falloir que je réussisse à te buter, toi.
Bon, du coup, là, on se retape des boss. Des mobs bas level. Oh. Joyeux de teinte sanglante. Ok, let's go. Ok, let's go. Non, non, mais ne calme-toi, quoi. Ah, c'est bien, on reloue bien des balles comme ça. Putain, ça m'a fait peur ce coup. Ah. Je suis encore en vie. Je suis pas décédé. J'arrive frérot. Où c'est là? Il est un peu cuit le PNG dans le fond quand même. C'est vrai que ce serait pas mal qu'il sorte, qu'il nous sorte une version PS5 ou PC ou même les deux. Hein. Allô? Je sais pas du tout où on va, mais on y va. Hein. Non, ok. Inspecter. Le ciel et le cosmos ne font qu'un, le cœur. Le ciel et le cosmos ne font qu'un. Oui. Quand on arrivera sur la fin du jeu, faudra quand même que je regarde une vidéo explicative hein, sur le lore. C'est vrai que c'est quand même assez cryptique. Ça a l'air cool, mais c'est cryptique. Vous êtes combien? Il y en a un qui m'attend dans la brume. Je vais réussir à t'avoir. Soyez heureux. Ok, un drone. Badge de chasseur épée rayonnante. Descendant de Ludwig. L'un des badges créés par l'église du remède, l'épée rayonnante représente les héritiers de la volonté de Ludwig. Ces chasseurs appelés les épées sacrées sont tout ce qu'il reste d'une ancienne lignée de héros remontant aux origines de l'honneur et de la chevalerie. Ces chasseurs appelés les épées sacrées sont tout ce qu'il reste d'une ancienne lignée de héros remontant aux origines de l'honneur et de la chevalerie. Ok, let's go. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec ces badges. Mais on les a. On les a. Ah, c'est pour les gens comme moi qui aiment bien rouler. On est d'accord que ça sert à rien.
Hein? Pourquoi j'ai ramassé des échos? Verrouillé. Non, non, mais attends, on le prend pas pour un con. Ben, il me manque quoi pour ouvrir ça? Oh. D'accord. Donc on replus tard en fait, c'est ça? Bah écoute, on a chopé un autre badge, je sais pas ce qu'on va en faire, mais on l'a. Récupérer pas mal de rosée de nécro sang aussi. Il fait tellement chaud. Je voulais jouer 3 heures là aujourd'hui, mais je pense que je vais m'arrêter au deuxième épisode aussi. Hein. J'ai beaucoup trop chaud, c'est intenable. J'y arrive juste pas quoi. Mais il fait un temps de merde, il fait tellement lourd. Alors, on ouvre quoi du coup? On ouvre la porte là? Ou ailleurs? Pourquoi il en met pas plus? Au secours. Allô? Vraiment lent à taper, hein, c'est... Voilà. Oh, vas-y, laisse tomber, repasse sur la hache, là. Donc, est-ce que c'est là que je déverrouille? Non. Ah oui, non, là, c'est un mécanisme qui me ferme. Fuck! On dégage. Il met tellement longtemps à taper. Il file plus de fioles. Hein. Dis-moi que t'es... Non, t'es pas de l'autre côté de la grille, fais chier. Oh non, il va monter là-haut, putain. Ah, vas-y, dégage, dégage. Tant que tu m'as à réagir. Hein.
Ok, vous êtes un peu nombreux. Je le vis bien. Eux, ils ont les chapeaux. Ah, d'accord. Ok. Attention que vous décédez plus facilement. Ah. Micro sang épais, merci. Oh, 15 gros. Poignard empoisonné, bah oui. Bah oui. Je prends. Couteau enduit de poison, ce couteau courbé est aussi fin et affûté qu'un scalpel, souvent utilisé par les médecins de l'église du remède pour leur protection. On dit que les chasseurs évitent traditionnellement l'utilisation du poison, sans doute en raison de sa lenteur d'action incompatible avec l'intensité de la charge. Oui. Bah, on l'utilisera pour autre chose alors. Oui. Oui. Oui, tout à fait. Y'a qui là? Je ne travaille pas pendant la chasse. Si c'est pour ça que vous êtes venu, vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul. Si ça ne vous suffit pas. Revenez le matin, chérie. Ah, t'es une prostie, ok. Dis autre chose? Dieu merci. Vous êtes un chasseur, je présume. Comment priez-vous en Dieu? La nuit est longue. Je n'ai presque plus dans ça. Je vous en prie. Il devrait y avoir un endroit où se cacher. Pas la clinique, on l'a dit, la chapelle de Donne. Oh, merci, chérie. Je vous verrai peut-être là. Ah, j'ai pas mis à jour mes morts, fuck. Bon, pour une mort. C'est bon? Oui. Ouais, ouais, on se verra là-bas. Allô. Vous êtes pas d'ici, vous? Il peut pas chez nous. À la chasse. Quelle idée pathétique. Quoi? Vous me prenez pour un monstre? Et peut-être que moi aussi je vous prends pour un monstre. Parfait, mon château. Ton château. Oh, j'en ai assez de vous. Quoi, vous trouvez ça drôle? Eh bien, pas moi. Fichez le camp d'ici. Je veux rien avoir à faire avec votre chasse au monstre. Qu'est-ce que c'est? Il paraît que vous avez parlé d'un refuge à cette fille. Elle a pas un brin de jugeote si elle croit un étranger. Une fille dans son genre, elle cherche à vous piquer vos sous, voilà tout. C'est transformé, lui, ou quoi? Alors, quel balivern y raconte l'étranger aujourd'hui? Vous me prenez pour un bijou, c'est ça? Alors, tentez votre chance, allez. Non. Désolé, je suis trop malin pour ces foutaises. Je sais reconnaître les superstitions, ces étranges. Même leurs mensonges sont prévisibles. Quoi? Vous essayez encore de piéger les gens avec vos boniments? Allez-y, tentez votre chance, montrez-moi de quoi vous êtes capable, parlez-moi de votre petit refuge. Désolé, je suis trop malin pour ces étrangers. Quoi? Allez-y. Ces étrangers. Quoi? Allez-y. Ok, adieu. Apparemment, lui, il en a rien à foutre. Hein. Il préfère rester chez lui. Bah, reste. Bien essayé. Allô? Qui fait des bruits comme ça? Ah, c'est toi. C'est quoi cette arme que t'as là? Pétez un câble lui! Oula! Ah mais calmez-vous! Petit stuff! Ah, zéro portée putain! À l'aide! Salut!
Télégraphou, comment ça va? Bon, moi je veux bien aller parler au PNJ, mais il y a l'autre qui me casse les couilles en haut. Ah, oh putain, encore une prostique, attends. Je suis le touriste étranger. Quoi, tu dis quoi? Oui, mais tu veux pas aller t'abriter quelque part, un truc, machin. Bon d'accord, bon, elle est contente, c'est le principal. L'autre il est où là? Il me touche si je suis là? Non. Elle est juste folle. Ils sont tous fous. Que toute cette foutue église soit louée. Oui. Et bonne chance pour la chasse surtout. Ils sont tous transformés. Soyez loués. Que toute cette foutue église. Bon bah ok. Ah mais ça loot sexy. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le stuff aussi là. Attends, atta. Je re. Là, il y avait rien. Là. Non, toi, je t'ai déjà parlé à toi. Oui. Ouais. Ok. C'est pas du spoil là où tu en es normalement. Cuir. Fais voir. Non, mais je suis con. Résistance poison, foudre, ésotérisme. D'accord. Poison rapide, poison lent, foudre. Ah, c'est bien pour la foudre, ça. Peut-être que c'est bien pour Parle, hein. Enfin, je sais pas, parce que il me semble que Parle, ça devrait être défense versus physique et foudre qu'il nous faut pour le... pour bien tanker ses attaques. On va rester comme ça pour l'instant. On a la tenue, c'est bien. Bourre. Bâtard. Attends. Oui. J'arrive. Oh les gars. Ah merde. Non. Ah mais je vais pas me faire buter par des sbires. Si. Est-ce qu'on peut tous les bypass maintenant? Est-ce que j'ai envie de tous me les retaper? Non. Bon, ils ont fait ce qu'on appelle la thérapie du sang. En gros, ils sont en train de muter en monstre. Oui, ça je sais, ouais. Mais ils sont cons d'avoir fait la thérapie du sang. Du coup. Je sais pas, j'ai dit quand j'arriverai vers la fin du jeu, je regarderai une vidéo explicative du lore. Pour mieux comprendre. Parce que ça a l'air cool, mais en vrai, c'est un peu... Merci pour le follow, tu gères. Ah non, je croyais qu'elle avait une tête de chandelle. Il. Ah, c'est vous, cet arnaqueur d'étranger. Ah, mais t'es venu. Vous pensiez vraiment que ça marcherait? Je me laisse pas voir comme ça. Maintenant, allez-y. Vous m'avez entendu? Monsieur Cran, je supporte pas votre haleine puante de baratineur. Bon, du coup, t'es quand même venu, hein. Ah, mais c'est pas un extraterrestre. Mais du coup, elle est où, là, la prosticatin à qui j'ai dit de venir? Elle est pas là? Vous approchez, Cran. Oui. Vieille folle. Allez là. Oh, vous disiez vrai. Merci. Révérence, oui. Merci, je n'ai pas grand-chose à offrir. Je veux vous donner comme mon sang. Mais voudriez-vous vraiment du sang d'une fille de chance? Recevoir la thérapie du sang. Ah. Allez. Approchez, chérie. Ne vous en faites pas. Ce ne sera pas la première fois. Sans d'Ariana. Ariana Grande. Qu'est-ce que j'en fais? Restore PV, accélère temporairement la récupération d'énergie. Sans prélever sur Ariana, femme de joie du faubourg de la cathédrale. Il restaure le PV, accélère temporairement la récupération d'énergie. Les membres de l'ancienne église du remède savent que son sang est similaire à ce qui jadis était interdit. Ok. Trace.
Alors toi, si tu pouvais éviter de me... Ça te rend des PV beaucoup en plus. Ouais, de toute façon, les objets uniques comme ça, comme la fiole de Yosef K, je les garde pour l'instant. Non, mais j'ai dit que je tapais pas, là. Pff, chiant. On va tracer. Peut-être une idée de merde. Hein. Là, c'était un cul-sac. Ah, bonjour. Non, trop tard. Bon, c'est là qu'on s'est fait piner, quoi. Ah, on est pas dans la merde, on est pas dans la merde. Retraite. Allez. Tu t'es arrêté à quel boss? Je suis à Parle. J'ai fait le calice racine, j'ai éclaté le chien là, de l'enfer. Et sinon, joli pogène, je suis à Parle. Ils veulent pas venir les autres? Bon, ça a l'air d'être un passage un peu chiant. Ah oui, c'est vrai qu'il s'en tape. Bien joué, c'était pas mal. Bien joué. Il y a du skill. Oui. Bon, c'est pas que ça m'a cassé les couilles cet endroit, mais un peu là. Allô? Ils sont où les chiens? Ah non, c'est des corbeaux. Parler un boss annexe, ah bon. Ouais, donc la bête affamée, ouais. Ok, donc les jolis hypogènes, c'est annexe, très bien. L'histoire principale, j'imagine que c'est Yarna, mais ce qu'il y a autour. Qu'est-ce que t'es, toi? Un ovni! Zoidberg. Je te fais pas... Ah ouais. Sans décoller. Ouais, moi, il m'avait bien cassé le cul. Ok. 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 Un veilleur de Birgenwerth garde la porte et exige un mot de passe, l'adage secret de la grande cathédrale. Ouais, il y a Argoul, ouais. Bravo. Pas mal, hein, pas mal. Je peux recommencer. Attends, on peut rentrer au moins là-dedans ou pas? Pas du tout, pas du tout. Je parle qui est annexe, la zone elle-même est spéciale, d'accord. Ouais, la zone, j'ai quand même trouvé la tenue d'Yargoul. Après, il y a un ascenseur qui marche pas encore. Et ouais.
Est-ce que j'ai envie d'ouvrir ça? Non. C'est pas relou en vrai, je trouve que c'est ultra cool. Mais du coup, ouais, si tu découvres le jeu et que personne te dit rien, c'est mort pour que tu fasses les choses bien dès ta première run. Parce que les rêves, le cauchemar... Bonjour! J'ai un gros DR dans la mise en place du jeu. Bâtard. Petit bat. Ouais, je commence à comprendre pourquoi les gens aiment le jeu. Hein. Je commence à comprendre tout doucement. On peut invoquer, c'est pas bon signe. Ah, là, on peut ouvrir aussi. J'aurais pas dû ouvrir maintenant. On peut invoquer qui, là? Auriez-tu? Ok. J'aime pas ça. Là, je sais pas comment qu'on y va. Ah, si, je sais. Je sais pas. Non, je sais pas. Là. Tu veux le DLC? Je sais pas. Non, je crois pas qu'il soit inclus dedans. Non, faudra sûrement que je l'achète. Je pourrais pas invoquer Henriette, ah ouais? C'est la version PlayStation X, donc ouais, peut-être qu'ils ont inclus le DLC avec. Attends. 10 000 échos, on va level up là. On va peut-être aller level up avant de continuer. Je vais faire ça. Ouais! Ouais, nouvelle zone et tout, on va level up. À toutes. Puis on va invoquer Henriette pour voir un peu ce qu'il y a, ce que ça dit. Attends, parce que là, il y avait ça, il n'y a pas un autre truc qu'on a oublié d'aller voir. Ah si. Alors... Serein. Adieu. Je vous ai combattu une fois, pas deux. Ah, il y en a un là-haut aussi. Super, super. Je me dis pas quel boss. Wait, c'est par où que je rentre chez moi, là? Par là. Le shortcut... Mais en fait, ce badge là qui déverrouillait la grille, il était dispo depuis 100 ans, je l'avais juste jamais vu parce que je suis aveugle. En fait, je me fais chier depuis des heures pour rien. Enfin non, pas pour rien du coup, mais... Bonjour. Gros soin. Bienvenue, le désir. Très bien, laissez-moi. Compétences, on a monté. Oui, on va monter force. Le badge coûte cher, autant faire le vieux Yarnam. Tu veux le voir souvent. Les 10 prochaines minutes, t'es gentil, toi. Adieu, brave cuissier. Ah, attends, merde, tu disais pas un nouveau truc? Bienvenue, je le désirais. Au fil du temps, non. Tous... Déçu. Adieu. Vous donnez quoi, vous, sinon? Ah oui, c'est ça, je sais pas. L'âme sacrée Ludwig. Ok. Ah d'accord, mais les badges, ça te débloque des armes dans chez les petits potes. Putain, 20 000 échos, vas-y, je vais les farmer. Fusil de Ludwig, ok. Je farmerai les échos en off parce qu'on a aussi toute la tenue d'explorateur de tombe. Au secours, au secours, au secours. Très bien. Celle-là est géniale. De quoi? D'armes? Du coup, on était... Va réparer tes armes un peu aussi.
Ok, let's go. Bah j'en ai utilisé un pour prendre un level, j'irai après. Ah ouais, pour acheter l'arme, mais oui, quel con. Est-ce que j'en ai assez? J'aurais pas assez. Bon, prochain plein d'écho, on achète le truc là. Vas-y, fais voir. Vu ce que j'ai, oui. Ah, tu me fais douter là. Oh! Allô? Putain, mais vous lâchez plus rien. Non, c'est 20 000 quand même, hein. Non, j'aurais pas assez. Et eux, ils donnent combien? Va falloir que je tape un peu les monstres. Toi, non. Par où je passe, là? Abruti. Adieu, adieu. Ah, mes échos, je suis à 5400. Ah ouais, je suis dessus. Ah non, mais vous... Oh. Ah oui, super, les chiens et tout, là. Non, mais calmez-vous. Tape le chien, tape le chien, tape le chien. Oh putain, mais sans déconner. Oh! D'accord. Mais tu vas... Qui c'est qui me tire dessus comme ça? Ah mais c'est eux. Putain, au secours. En zone pas chiante. Allô? Putain, la portée! Perdu là. Par où je vais? Ah non. Ouh. Ah d'accord, là je reviens là. Toi tu vas faire chier. Évidemment. D'accord. D'accord, non mais sus, sus. Bravo. Adieu, adieu. Ok. Putain, tu montes jusque là? Ah.
Ah, par contre, il est pas question que je perde mes échos là, donc on va pas y aller tout de suite au boss. Ah oui, très bien, très bien, très bien. Ah merde, la folie. C'est quoi, c'est folie ça? Ok, let's go. Sympa, bonne ambiance par ici. Oh. Chaud. Œil injecté, œil injecté, œil injecté. Composant utilisé lors d'un du colis. Un œil superbe, retiré promptement après la mort, voire juste avant, permet de briser le sceau des sépulextres de l'ancien labyrinthe. Ok. Là, je vais où là? J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je vais où là? Nouvelle zone. Dans les bois. Comment te dire que... C'est-à-dire que je suis pas sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ah, vous êtes comme les chiens, mais en plus chiant encore. C'est bien ça. D'accord, je vois, je vois, je vois, je vois. Allô? Bon, ça va, pas vraiment plus chiant. Ton pote, il est où là? Score. Il est où, il est où? Il est où, il est où? Calme-toi. À l'aide. Ah, vous êtes beaucoup, vous êtes beaucoup. Ah, ils sont pas morts. Ah, tir croisé. Je vais éviter de perdre mes âmes maintenant. Plonge, Mino, plonge! Moelle osseuse, what? Ah ouais. Ah d'accord. D'accord, donc c'est ici que tu farmes les balles. Hein. Ah. T'es galé.
Allô? Secours. Bravo. On peut aller là-haut? Non. Ok, j'arrive où là? Emwick Charnel Lane. Ok, il y a une lanterne, cool. On peut le prendre le level là, enfin le level là. Ok, go épée. Go épée de Ludwig. Quelle heure il est? 3h15. Encore un quart d'heure, 20 minutes, j'arrête. J'ai tellement chaud. Ok, maintenant ils me vendent les cendres de Molossus. Ah oui, je vais pas regarder à quoi ça servait. L'âme sacrée de Ludwig. Ça pique. Vas-y, fais voir. Donc là, pour l'instant, on met 7 coups comme ça. Coup chargé. Ok. On met 3 coups. Au niveau des PS, c'est pas trop la folie quand même parce qu'elle bouffe beaucoup en... Attends, fais voir. Avant de dire n'importe quoi. Ok. Continue à faire la même. Ce qui est bien, c'est qu'elle est pas bourrin comme arme, celle-là aussi. Rang D, D et D. La lame sacrée Ludwig est plus équilibrée que l'épée marteau. Ah oui, la hache, attends.
Attends. On va la tester, on va la tester. Si, déjà ça. Alors. Voilà. Plus 10 attaques chargées augmentées. Ok, let's go. On y retourne, je sais pas où on allait, mais on y va. Attends, tu te fous de ma gueule, j'avais allumé le... C'était où? Ah, pierre tombale de la frontière, c'est d'autre ça. Mwick, Charnel Lane. Je sais pas ce qu'on fout là-bas, mais on y est. Il y a l'air d'y avoir une bonne ambiance encore. Oh non, les shepherds là. D'accord. En plus, épée à deux mains, moi, c'est mon arme de prédilection. Hein. Elle a une bonne portée. D'accord, ça c'était de la merde. Putain, on va y arriver. Hein. Beaucoup trop chaud pour vivre. Je peux y injecter de sang, ok. Secours! Ah, je t'avais pas vu, toi. Vous entendez le cimetière qui murmure? Alors le moment est proche. Oh, j'ai hâte. Oh, j'ai tellement hâte. Ok. Vous entendez alors le... Oui. D'accord. Il n'est pas en état de fonctionnement. Il y a un puits. Bonjour.
Et pareil, quoi, ici c'est secondaire ou... Aïe! Putain, encore des relous là. Ok. Attends, j'ai soif. Ah yo. Ah ok, mais on est un bled en contrebas en fait. Mais où qu'on va comme ça? Secours. La punition divine. Fermé. Yo. Petite ruelle sombre là. Bonjour. Et merde. Oh. Oh. Allô? On explore, hein. On extermine pas mal aussi, mais on explore surtout. On s'est pas mal éloigné de ce qu'on voulait faire au départ, mais c'est pas grave. Bonjour. Ah oui. Non, mais par contre, voilà, tu vois, t'évites de jouer comme une merde. Surtout face à une vieille possédée là. Ah oui, je t'ai... Ah oui, ça on sait toujours pas à quoi ça sert. Meilleur endroit pour s'arrêter et lire ça. Médium renforçant les balles de vif argent. Médium supplémentaire renforçant les balles de vif argent selon l'atelier. Il s'agit de cendres de moelle spéciales récupérées sur MWIC Channel Lane. Indispensable pour les chasseurs à la teinte sanglante faible. Et aux armes à feu puissante. Très bien. Ah oui, la teinte sanglante c'est pour les balus. Putain, je vais péter en plomb. Au secours. Où je vais? Non. Où je vais? Qu'est-ce qui se passe? Vous entendez alors? Ah, je suis revenu là. Fort bien.
C'est vrai que le level design des From Software est bien foutu. Bon, 15 secondes. Du coup, si je tape avec la hache. Ouais, c'est ça, ils prennent des dégâts de feu. Et merde. Comme ça. Bon, en vrai, est-ce qu'on se casserait pas d'ici? Ça fait combien de temps qu'on y est, là? Ça fait 1h02. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la chapelle. Vite def. Vraiment vite fait, hein. Et on va... On va faire des trucs, quoi. Ah ouais, on pourrait lire le lore de la lame sacrée de Ludwig, on le fera la prochaine fois, si on y pense. Et moi, de mon côté, il va falloir que je farme les échos pour obtenir tout le stuff qu'il y a chez les petits potes, là. Toute la panneau. Par là, je sais plus. Non, c'est de l'autre côté. C'est compliqué. Hein. Secours. T'es pas obligé de bloquer le chemin. Ah bravo. Non mais sans déconner. Bon, laissez tomber, on verra ça la prochaine fois. On verra ça la prochaine fois. Des bisous. YouTube, pouce bleu, abonne-toi, rien touche dans l'inscription comme d'habitude. Passion du jeu vidéo, tout ça, ciao.